pas la cause des fumées en 2006 et plus. C'était quand même compliqué parce que les autres ils étaient quand même pas mal forts. Tu as d'autres objectifs maintenant ? Gagner le cross l'année prochaine. C'est pour la course des fumées en 2005. On les encourage bien que l'année dernière. J'étais un peu plus vite. Je suis souvent après Roman. Ça allait, il était à peu près comme l'année dernière. Au début, ça allait, après j'étais un peu plus fatiguée. C'est un peu le même parcours que l'année dernière. C'est parti, on les encourage. Quand on est qualifié dans les 10 premiers, on part dans les districts. J'aimerais bien essayer d'aller au départemental. Au début, j'étais 3e et j'ai essayé de passer devant, mais il a accéléré, du coup tout le monde a accéléré. Et du coup, il a terminé devant moi pour le sprint final. Je suis partie très bien en étant premier. Il y a eu Paul et puis Quentin qui m'ont dépassé parce que j'étais un peu essoufflée. Mais j'ai su tenir la cadence et je suis arrivé 3e. 1,3 km pour les garçons et filles de 6e et 5e et 1,7 km pour les garçons et filles de 3e et 4e. Le premier intérêt, c'est de faire participer les élèves à une compétition sportive. Ça nous permet aussi de sélectionner les élèves pour le cross de district. C'est un rendez-vous qui est un temps fort du collège en ce début d'année. Et pour les jeunes 6e, c'est une expérience dont ils se souviennent tout le temps. Cette année, une nouveauté, un challenge par niveau qui récompense la meilleure classe au nombre de points pour le cross. Il était plus compliqué que l'année dernière vu qu'il y avait une boucle en plus. C'était plus fatigant. Ça a été la fin, elle m'a doublé, mais ouais. Thank you.
quand on a entamé le bois. Avec les racines et tout ça, c'était comme ça montait beaucoup, c'était physique. C'était quoi la stratégie? Bah aller un peu plus vite au début et après freiner. Et après on va accélérer. C'était difficile quand même parce qu'on est tous partis vite. Et il a fallu se détacher au niveau des racines, comme Lucas a dit, au niveau de la forêt, donc c'était assez compliqué. Ça s'est bien passé, au début c'était un peu compliqué, mais après je me suis forcée et j'ai réussi à arriver première. Je pratique du football et j'ai l'habitude de courir autour d'un terrain, donc pour moi c'était facile. En fait elle m'a rattrapée, elle était vraiment super forte, du coup bah voilà, et puis bah, je sais pas s'il l'a rattrapée, mais bon c'est pas grave, c'est bien. Oui c'était compliqué. J'étais toujours le long de la course avec Nathan, toujours en premier et après à la fin on a couru, on a fait le sprint. Ça a été, j'ai essayé de le suivre et quand je suis revenu sur lui, à chaque fois il a accéléré. Celui qui me battait tout le temps l'année dernière, je l'ai battu aujourd'hui, donc c'est bien. Il y a Enzo qui a sprinté dans le bois, je n'ai pas essayé de forcer les suivre parce que je n'avais pas la capacité pour. Et du coup, je faisais attention à bien garder une distance entre celui derrière moi et moi. Bon, tu es satisfait quand même de cette troisième place? Ouais, c'était mon objectif.